sur France La Chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Paris la Nuit. Je suis avec Mehdi Chebaï en plein cœur de Paris. Mehdi, quel va être le sujet de ce deuxième épisode de Paris la Nuit? Eh oui Mathieu, on est en plein cœur de Paris, sur la place du Trocadéro, vue sur la Tour Eiffel. Ce soir, je vous ai trouvé une soirée d'exception sur le thème de la gourmandise. Il y aura du sucré comme du salé. Ah, évidemment, ce soir, Fauchon présente sa nouvelle collection de créations culinaires, une collection basée sur Noël. Présentateur TV, animateur radio, il y aura plein de surprises ce soir. Une nuit à l'hôtel Fauchon avec Paris la Nuit. Ça commence maintenant. What the fuck? Sucré. D'accord. Ouais, j'aime bien la petite touche sucrée. C'est plutôt dessert. Ouais, plutôt dessert. Repas, ça se termine par une petite note sucrée toujours. Moi, plutôt salé. D'accord. Plutôt salé. T'es plutôt salé. Le sucré, je suis pas très fan. T'es pas très fan. Une petite dose. Mon plat préféré. Oui. Ben, je l'ai goûté ce soir. J'ai trouvé ça super bon. C'est le feuilleté avec le foie gras dedans et la crème de sel. La tarte tatin. Ah, la tarte tatin. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Parce que t'as goûté un peu de tout. Ouais, j'ai goûté à tout, mais c'est de la création, quoi. Ouais. Les mecs qui sont là, ils arrivent à faire des bonhommes de neige, ils arrivent à faire des sphères en sucré. Enfin, je sais pas comment ils font, quoi. C'est du boulot, hein. C'est des ingénieurs, ouais. Comprends, ouais. Donc ce soir, on est chez Fauchon. Oui. Et on aimerait savoir déjà ce que vous êtes une personne gourmande, déjà. Je suis très gourmande. Oui. Sucré comme salé. Sucré salé. Autant dire que l'invitation Fauchon, j'ai pas dit non. Et qu'est-ce que vous avez pu découvrir ce soir dans les suites de l'hôtel Fauchon? Alors déjà, l'hôtel Fauchon, que je ne connaissais pas. Voilà, j'avais pas eu l'occasion de venir, donc du coup déjà c'est une belle découverte. Je trouve que c'est un bel écrin pour venir déguster toutes les créations Fauchon. Là, je viens de goûter. Qui était très bon d'ailleurs. Qui est très bon. J'ai demandé au chef justement quelle était sa bûche pour cette année et j'avoue qu'elle est particulièrement originale. Ubay, bonsoir. Ubay. C'est okay. Comme si tu montes sur un cheval et okay. Tu lui dis Ubay. Ubay, bonsoir. Bravo, Mehdi, bonsoir. Merci beaucoup. Bon, ça va, c'était pas très compliqué à retenir. Non, ça va, oui. Si on fait un petit effort, ça va. Un petit effort. Ouais. Ce soir, je me suis régalée. Le plus important, c'est que je trouvais le plat de Noël. Tu pourras peut-être le faire à la maison, du coup. Non, pas du tout, je vais commander tout simplement. Non, attends, on appelle le chef. T'es actrice, donc du coup, t'as été nommée en tant que meilleure actrice à Washington. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est juste exceptionnel. En fait, moi, j'ai tourné dans un long métrage, sino-américain, l'année dernière, ouais. Qui s'appelle Last Chance. J'étais invitée par le festival de Montgomery à Washington. Et le film a été sélectionné. Pour ma grande surprise, j'ai été nommée la meilleure actrice. C'est super, c'est génial. Et ce film, on a présenté également à Cannes cette année.